Let's go! Wow, cet épisode va impliquer un puzzle. Le puzzle de Casper a disparu. J'adore faire des puzzles, mais j'en ai assez d'apprendre les couleurs. Eh bien, qu'est-ce que le docteur Kat a ici? Le jeu de Dr. Kat est vraiment intéressant. Oh non! Si ta pièce de puzzle a été volée, ne t'inquiète pas, je suis là. De quelle couleur est la pièce qui te manque? Rouge? Non, jaune. Vert? S'il te plaît, va là-dedans pour trouver la bonne pièce de puzzle. Et ensuite, reviens ici pour la payer. Voyons voir, comment Casper va-t-il choisir alors qu'il ne connaît pas la couleur maintenant? Papa, je veux apprendre les couleurs pour retrouver ma pièce de puzzle. Oui. Rouge. Jaune. Gris. Maintenant, fais demi-tour et remporte la victoire, Casper. C'est rouge. Mais ce n'est pas celle que je cherche. Jaune. La salle secrète de l'hôpital. Oh, Pando vient de se faire bander une jambe. Salut. Mais heureusement, cette fois-ci, Pando a encore des habits à ses côtés. Les gars, jouons au volet. Tu ne peux pas jouer au volleyball avec une jambe cassée. Mais malheureusement pour Pando aussi. Walfou, je sais où on pourrait jouer. Cet endroit est trop cool. L'idée de Molly est audacieuse. Bonne nuit, ma chérie. Hé, je veux jouer.
Je pense que tu devrais rester ici. Oh non, Wolfou et Molly empêchent Pando de se reposer. Qu'est-ce qui ne va pas, Pando? Je vais bien. Hey, les enfants! Les patients ont besoin de repos. Alors vous devez rester silencieux dans l'hôpital. On est désolé. Rino et le jouet doré. Les enfants, si vous voyez ce gars pendant que je ne suis pas là, courez simplement vers la foule et appelez la police. Oh non, le voleur rhinocéros s'est déguisé en femme enceinte. Oh non. Papa. Oh non. Allez. Tu as l'air fatigué. As-tu besoin d'aide? Comme c'est dangereux. Wolfou, Pando et Daddy Wolf, personne n'a encore reconnu le voleur rhinocéros. Où est-ce que tu vas? T'as besoin de te reposer. Les deux enfants ont découvert le pop-it doré. Soulagez-nous. Voyons maintenant, la police Bu et Zebra peuvent-ils attraper le voleur rhinocéros? Et donc, le voleur a été capturé, les enfants. Bon travail, les enfants. Le super lit superposé en Lego de Wolfou. Nous faire un super lit en hauteur. Désolé les enfants, je ne peux pas. Mais Hagen peut le faire. Oui. Bonjour. On veut faire un lit en hauteur géant. D'accord, faisons-le.
Allons-y. On n'a qu'à l'amener dehors. Et superposer. Ce sera très unique à coup sûr. Maintenant, je vais l'agrandir. Arrête! Arrête! S'il devient plus gros, il va casser le toit. On n'a qu'à l'amener dehors. Oh! Non. Regarde. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons jouer ici. Oh, quelle est l'idée d'Alien. Cool. Trop cool. On y va. Hurra. Super. Allez, allez. Regardez. Wow, c'est tellement beau. Explorons beaucoup plus de jeux créatifs avec Wolfou. Première fois que je fais de la danse classique. Trop cool. Bien, le professeur Kat à la télé fait de la danse classique. C'est sympa. Wolfou, est-ce que tu veux apprendre le ballet? Bonjour. Pando, salut. Aujourd'hui, c'est mon premier cours de ballet. Non, non. Regarde. Voyons voir, que se passe-t-il ici? Oh non, il s'est avéré que Pando avait peur que Wolfou soit blessé. Pando, Pando. Wolfou, viens. Bonjour, mais... Tresse. Ne t'inquiète pas, Wolfou. Viens avec moi. Oui. Viens ici. Au revoir. Au revoir. Trop cool. Wolfou, tu peux mettre ton sac dans le casier. Oui. Oh, Wolfou va manquer ce cours de danse classique. Wolfou, qu'est-ce que tu fais? C'est très dangereux. Je suis désolée, madame, mais c'est parce que j'ai peur d'apprendre le ballet. Ne t'inquiète pas, si tu t'entraînes sérieusement et régulièrement, tout ira bien. Trop mignon. Allez. Chère madame. Tu l'as fait. Hourra. Tu vois, le ballet, ça fait pas peur. Oui. La base secrète. Maman, Lucie et Nancy, arrête pas de nous embêter. Qu'ont fait Lucie et Nancy? Oh!
Nous avons beaucoup à faire maintenant. Faites de votre mieux avec les bébés, d'accord? Non! Eh bien, quelle idée à Wolfou! Wolfou a créé une base secrète souterraine. Wolfou, Piggy, ils se sont enfuis. Pas de nourriture. Oh non, les deux enfants vont-ils descendre la nourriture au sous-sol? Vous devez prendre soin de vos sœurs pendant que nous sommes occupés. Elles gâchent toujours tout. C'est parce qu'elles veulent juste jouer avec vous. Tellement de poubelles. Vous ne triez pas vos déchets? Il y a plein de poubelles ici. On n'a qu'à le jeter n'importe où. Je vais vous montrer. Oh, grâce au conseil de Kat, les enfants ont lancé le bon type de déchets dans la poubelle respective. C'est compliqué. Ouais, si seulement ils avaient tous la même couleur. Oh, que font Wolfou et Piggy? C'est l'heure de nettoyer, les enfants. Oh non! Depuis quand les poubelles sont-elles peintes de la même couleur? Jette juste tes déchets où tu veux. C'est donc ce que Wolfou et Piggy ont fait? J'ai fait ça pour qu'on n'ait pas à classer les déchets.
Mais c'est très important de mettre les déchets dans la bonne poubelle. On peut aussi recycler les déchets après les avoir triés. Eh bien, c'est magique, n'est-ce pas les gars? Cabane chaude et froide dans les arbres. Jenny, papa, laisse Jenny venir. C'est trop dangereux pour Jenny de jouer à une telle taille. Mais Jenny veut vraiment jouer avec ses frères et sœurs. Wolf, a-t-il une solution? Papa, je veux faire une mini cabane pour Jenny bien chaude. Non, c'est l'hiver, alors une maison froide, c'est mieux. Non. Non. Très bien, j'ai une idée. Voyons maintenant, comment Wolfo et Lucie décoreront-ils leur propre mini cabane chaude et froide? Où est Jenny? Tu vois, Jenny préfère ma cabane chaude. Oh non, si Wolfou et Lucie continuent de se battre comme ça, Jenny tombera malade. Les bébés sont sensibles. Ils doivent donc éviter un changement soudain de température. On est désolé. On réparera les cabanes quand Jenny ira mieux pour qu'elle puisse jouer.